charme. Vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges adorables, et nous ne sommes, nous les âmes, que des diables. On vous entoure avec des milliers de roses. Oh, sans vous dire, on vous aime, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame. Nous ne sommes, nous les hommes, que des diables. Avec les femmes. Bah ouais, salut les terriens, salut Vincent, salut pour les toi, filles. Pour toi, Bill, bien sûr, la femme, c'est Fadi. Oui, et tu n'as chanté que pour elle et tu m'as représenté tellement bien. Non, c'était à partager à quatre, enfin, avec les 3 milliards de femmes qu'il y a sur la Terre. Bonsoir, ouais, l'orchestre. Oui. Merci de m'avoir aidé à chanter, à massacrer vous les femmes. Allez, voici le profil du premier candidat. Musique, les filles. Oh. Oh. Eh bien, nous allons accueillir sous ces images d'un érotisme torride Anthony qui a 20 ans, mesdames et messieurs. Il vient de Saint-Brice-sous-Forêt. Et alors, son truc, c'est le wakeboard. Ben voilà, il est où? Il est déjà là-haut. Approchez-vous. Rappelle-moi son prénom, Bill. Anthony. Comment? Anthony. Anthony, soyez le bienvenu. Bonsoir. Vous êtes à quelque chose comme moi, allez, on va dire 4 mètres de haut. Oui, bon. Vous aimez le wakeboard? Oui, effectivement. Et vous le pratiquez dans des conditions de ski nautique ou avec le mât de wake? Conditions ski nautique et téléski nautique aussi. Vous faites ça en compète ou juste plaisir-loisir? Non, plaisir-loisir. Très bien. Le but du jeu est très simple, vous allez tenter votre chance 3 fois. Si vous réussissez du premier coup, c'est tant mieux. Il faut tout simplement réussir à venir me retrouver de l'autre côté de la piscine en empruntant les lianes de Tarzan. Mais, en anglais, but, because there is a but, la corde n'est pas forcément ce que l'on croit. N'est pas forcément. Ce que l'on croit. Il se peut que la corde soit raide, mais il se peut également qu'elle soit élastique. Ok. Ok, vous avez 3 tentatives. Prenez le premier bout. Attrapez-le déjà, prenez-le en main. Voilà, tirez dessus un peu, voir. Ça va, il est bien? Ouais, ça va. Ok. Il est raide. Très bien. N'oubliez pas qu'il faut légèrement vous balancer et n'attendez pas trop afin d'apprendre la corde suivante. Est-ce qu'on le motive ou pas? Oui, on va le motiver parce qu'il y a du pognon à la clé. Pas tout à fait. Regardez à votre gauche, Anthony. En bas, il y a un magnifique home cinéma avec tout un lot de DVD. Si vous y arrivez, il est à vous et il vaut 2 759 €. Oui, mesdames et messieurs! Anthony, vous partez droit, vous partez en diagonale, vous partez comme vous sentez, vous partez surtout quand vous voulez. Allez. Et vous pouvez en sauter une, hein, vous pouvez les prendre une tous les deux, hein, vous n'êtes pas obligé de les passer une par une, hein. Faites ce que vous voulez. Allez. Allez, remontez, prenez l'autre, prenez-le. Allez, faut remonter. Ah, on est pas bien là. Oui, c'est pas mal. Yeah, faut pas descendre trop. Ah, pour le casting Tarzan, il est pas tout à fait prêt, Anthony. Mais non. Ah. Psst, psst, psst.
Dis donc, Vincent, ne serais-tu pas en train d'aider un candidat? Dis donc, Barbe. Allez, remontez. Il a encore droit à deux tentatives, Vincent. Amenez-moi l'échelle. À mon ami Vincent, il a encore droit à deux tentatives. Ah ouais. Vous avez encore droit à deux tentatives. Allez, Anthony, la France vous regarde. Allez, la France. Alors l'eau vous a légèrement alourdi. Voilà, ça y est, il est en place. Deuxième tentative. Quand vous voulez, n'oubliez pas, balancez-vous bien. Non. C'est bon. Restez sur le caillebotis, écoutez-vous là sur le caillebotis. Félicitations, tenez, je vous donne la sucette parce que vous n'avez plus de micro. Ah, c'était à l'arraché. Je suis mort. Oui. Félicitations, en attendant, bravo, vous avez gagné. Quel est le montant de ce cadeau? 2700. Oh, mais je suis à la télé, c'est extraordinaire. Maman, je t'aime. 2 759 euros, merci. Qu'est-ce qu'on en fait? Je garde. Vous gardez vos 2700 euros? Ouais. Vous le voyez comme ça? Moi, je me dis qu'avec 2700 euros, nous, on prend pas de risque à mettre une voiture. Oui, il a raison. Parce qu'on sait que vous allez pas jouer. Maintenant, moi, je suis dit, il est épuisé, là. Je garde. Il est ruiné, Anthony. Pas de gage pour Anthony. Il garde son combi. Eh bien, mesdames et messieurs, regardez, il a raison, puisque c'est une figurine, tout simplement, de Tarzan en personne, le célèbre personnage, le roi des singes, inventé par Edgar Rice Burroughs dans les années 1910, joué au cinéma de moult fois, dont Dieu Javel vous attend avec un pingouin derrière. Anthony, à tout à l'heure, merci de votre visite. Pardon. Je suis embarqué par un truc. Et du coup, elles sont toutes là. Ouais, moi et moi. Et alors, Marie qui fait ça va? Ouais, oh, oh. Allez, on se calme. Je sais. J'ai un corps superbe. Je sens bon. Ah, ouais, du coup, c'est les mecs qui font. Oh là là, bande de jaloux. Ah. Allez, envoyez le profil du candidat suivant. Je suis là de ces compliments. Eh bien, sous ces phases dignes de Narcisse et de sa dépression nerveuse, accueillons Annie qui a 55 ans. Elle est superbement jolie. Elle vient de 16 dans le 31. Alors que nous dit Annie? Eh bien, elle est mamie. Oui. Mamie Annie. Ah. J'ai des bisous à vous faire de part de nos deux petites filles, Marion et Nina. Allez, on est parti. Alors, une pour Marion. Marion. Une pour Nina. Et pour Nina. Le dernier, Bastien. Eh bien, Bastien, oui, serrez la main. C'est le petit. Le... Oh, ouais, non, ça va bien. On va vous faire jouer à un jeu qui s'appelle... Alors là, l'équipe de rédaction des jeux qui a mis ça en place, non, vraiment, ils se sont creusé l'esprit. Hein. Ils ont appelé ça « Fais gaffe à la gaffe ». Ah oui, ah bon, je m'en vais. Je te jure, il me dit, tiens, on va jouer à Fais gaffe à la gaffe. Je dis, c'est bon, ça, on me l'a jamais fait, celle-là. Alors, vous allez vous mettre à la barre. Oui. Et moi, je vais faire l'aller-retour d'un gradin à l'autre en portant chaque fois un objet et un chiffre. Oui. Gardez tout ça en mémoire, parce qu'à la fin du défilé, je vous poserai des questions où vous pourrez gagner peut-être ce que vous aurez vu. OK. Regardez bien, tous les cadeaux sont à gagner. Peut-être, d'accord. Possible. Hein, je sais pas. Je commence par où? Par là? Ah, de l'autre côté, c'est les femmes partout. Alors, qu'est-ce qui se prend en premier?
Ma, si, dans ça, moi je prends ça, moi je prends ça. Voilà ça, tu colles ça, colle ça là, 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 tu fais ça là, là, comme ça là. Comme ça là, voilà, comme ça là, voilà, voilà, voilà. Vas-y, fais péter la musique, toi, fais péter. Un numéro dans le dos. J'ai encore un numéro dans le dos. Oui. Vous allez bien me l'enlever. Je suis pas un cadeau, moi. Ah bon? Non, voilà. Oh non, ça, allez, t'es venez. Pas un cadeau. Venez, petit, allez, fais. Oh, alors, vous avez vu tous les cadeaux qu'on vous a offerts? Oui. Alors, c'est tout simple. Lequel vous voulez? Le valise. La valise? Vous voulez le cadeau de la valise? La valise. Bill? Bah tiens, est-ce oui. que tu peux nous dire ce que c'est la valise, puisqu'elle décide de la prendre? Mais tout à fait, mais je vais vous le dire. Mesdames et messieurs, Annie vient de gagner. Attends. Qu'est-ce que la valise? Et il n'y a pas à dire si elle a gagné ou pas, je te demande. Elle choisit la valise. Eh bien, dis-nous ce qu'il y a dans la valise. Oui, elle vient de choisir une valise, et ça représente, c'est ça que tu voulais me dire, un magnifique sac à main. Une valise de 300 euros. 320 euros. Je vous en prie, et pour gagner ce sac à main, quel est le numéro de la valise? Voilà. Le 1. C'était en premier? Oui. Premier truc? Non. Mais ce n'était pas dans l'ordre, les chiffres. Donc vous dites la valise, le 1? Oui. Regardons la preuve en image. La valise avec le 1. Et très joli numéro de Nîmes. On a choisi... Oui, ben, vous l'avez gagné, elle est là. Hein. Il est dedans, le sac?
Non, c'est pas possible. C'est pas un sac à main, ça. C'est un plan. C'est une enclume. Merci, Lilou. Alors, qu'est-ce qui vous plaît encore? Les fleurs, 4. Ça vous a plu, les fleurs? Ouais. Les fleurs avec le numéro 4, ouais. Ça vous a plu? Ouais. Vous êtes sûr que c'était le numéro 4? Ouais. Bill, j'ai l'impression que je me suis beaucoup donné pour peu de choses, là. Eh bien, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si c'est bien les fleurs, c'est bien le numéro 4? Non, déjà, dis-nous, qu'est-ce que les fleurs? Eh bien, Vincent, après t'être donné autant, tu seras heureux de livrer à mamie Annie pendant un an des fleurs tous les mois. Yes. Et ça vaut 300 euros. Yes. Et vous m'avez dit, c'était le numéro 4. Le 4. T'as dit, c'est le 4. La réponse en image, c'est le 4. C'est gagné. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît encore? Oh, non, c'est pas le garage, hein, pour l'instant, on continue à prendre des cadeaux. Les boules de pétanque. On joue aux boules de pétanque? Oui, j'y joue. Bill, les boules de pétanque, c'est des boules de pétanque. Les boules, ça veut dire les boules. Puis ce sont des mini-boules de pétanque à 15 euros. Quel numéro les boules? 6. Tu veux bien nous amener les boules de pétanque? La réponse en image. Et c'est bien le 6. Ah oui, t'avais un 6 aux fesses. On continue, un 6 aux fesses. La trousse de maquillage. La trousse de maquillage. Donc, à mon avis, c'est une trousse de maquillage. Oui, sûrement. Vous voulez pas prendre les autres cadeaux en premier, hein? Et on verra bien. D'accord. La trousse de maquillage, on n'a pas encore le chiffre, mais... Alors, cette trousse de maquillage, c'est effectivement un magnifique kit de beauté d'une valeur de 179 euros. Numéro, hein? Numéro 7. Le 7. Oui, il n'y a pas d'erreur. C'est bien le 7. Eh oui, quelle mémoire. Allez, ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, on est à la moitié. On continue ou on s'arrête? Vous avez gagné pour 822 euros et bravo. 822 pour euros là. Le garage. Vous n'allez pas jusqu'au bout? Je n'allais pas jusqu'au bout. Le garage. Vous le sentez stratégique? Ouais. Alors, regardez ce que vous avez gagné avec le garage, Annie. Ça va vous faire plaisir. Coluche! Coluche! Vous adorez Coluche, Annie! De Coluche. Et voilà, un bouquin avec un DVD et le CD des Restos du Cœur. 173 euros, vous êtes perdants! On se retrouve tout à l'heure pour le deal final. A tout à l'heure, Annie! Voici le profil du candidat suivant! Eh bien, mesdames et messieurs, je vous propose un duel à 3. Mais c'est pas la ville, c'est 3 candidats. Alors voilà le premier qui a son actif 26 séjours à l'hôpital. Il nous expliquera Olivier, 24 ans. Il est de Paris et lui, il a fait 12 000 km pour rencontrer sa femme. Moi, j'en connais des plus proches. Daniel a 24 ans et Daniel est de Paris et Daniel a beaucoup ramé dans sa vie. Les 26 séjours à l'hôpital, c'est vous? Ouais, c'est moi. Pour vous mettre à faire du jet ski, hein? Ouais, je pense. Ah, vous êtes prêt là, hein? Pas de problème. Et qu'est-ce qui vous amène à séjourner souvent à l'hôpital, aux urgences? Rugby, un peu de tout, cascade en roller. D'accord. Famille agro malade. Voilà. Fort bien. Donc vous, c'est Joël. Dimitri. Joël. Olivier. Olivier. Olivier, vous êtes le plus sage que ça? Vous avez déjà été un peu à l'hôpital, non? Je sais pas. Deux plâtres à jambe gauche, deux plâtres bras gauche, deux plâtres bras droit. Ah ouais, ouais. Et vous connaissiez pas avant d'arriver? Pas du là, tout. D'accord. Vous, c'est plutôt en pratiquant quoi? Rugby. Ah ouais, d'accord. Bien. Et vous? Non. Pas enfin, jamais l'hôpital, non, moi pas. Très rarement. Ouais. Excusez-nous les filles, hein, nous on est costauds. Hein. Non, mais cela dit, 26 séjours à l'hôpital, respect. Hein. Ah ouais, non, pas. Que pratiquez-vous, vous, comme sport? J'ai fait du foot, de l'aviron. D'accord. Donnez-moi les sucettes et oxygénez les avant-bras. Oxygénez, brin. Et tendez bien vers l'extérieur. Vous allez vous suspendre. À un moment, le caillebotis descend, les trapèzes montent. Le premier qui tombe est éliminé, le deuxième aussi. Soit le troisième, seul le troisième qui touchera la flotte repartira avec quoi, Bill? Eh bien, il va repartir avec un séjour à la clé à la plage pour deux personnes pendant 7 nuits et donc 7 jours. 2130 euros, les images tout de suite, les voilà. Voilà. Regardez. Bonne chance, mes seigneurs, bonne chance. Alors, JK, dans un premier temps, tu montes les trapèzes. Et on arrête de monter, on descend le caillebotis. Et le jeu est parti. Nous, on va bouffer, hein. Salut, à demain, les gars. Allez, JK, monte. Ils sont très concentrés. Il faut surveiller les pouces. Concentration, respiration. Bonne respiration, bien à fond.
Concentrez-vous sur vos pointes de doigts. La pointe de vos doigts. Ce sont vos deuxième et troisième phalanges qui travaillent et qui tiennent tout. Concentrez-vous. Envoyez vos impulsions cardiaques vers les mains. Oubliez vos jambes. Respirez, vous êtes zen. Tu es professeur de yoga, toi ? C'est des trucs. Respirez bien, ne donnez pas d'à-coups, ne bougez le moins possible. Ça commence à tirer, ça commence à lasser. Les bras raidis, c'est un travail de... Et c'est notre ami Daniel. Et d'un. Et d'un. Allez, Aglou, descend, vous partez au sport d'hiver. Félicitations! Remontez-moi les caillebotis, on va se mettre dessus. Venez, on va s'égoutter sur le caillebotis. Eh, ça a l'air monstrueux. Tenez, je vous donne une sucette. Bravo, Dimitri! Vous, vous avez lâché en premier, vous avez commencé à mettre les pouces après au-dessus, ça a glissé et puis c'est fini après. Puis vous, honnêtement, les mains serrées, c'est... Ouais. Le trapèze lui-même tourne sur lui-même. Non, moi, je me suis déséquilibré en me remettant quand même. Ouais. Et cela dit, c'est gênant quand quelqu'un se met à bouger parce que ça déséquilibre toute la... C'est pour ça que j'ai voulu mettre les doigts parce qu'il a commencé à secouer un petit peu. Ouais. Félicitations, vous allez partir faire un séjour au ski. Merci d'avoir tenté votre chance. Merci à vous. Je récupère les sucettes. Et Isabelle vous attend au fond du plateau avec des peignoirs. Vous êtes amateur de surf, de snow ? Du tout, et c'est un peu mon rêve d'essayer quand même. C'est vrai. Ah bah, apparemment, physique comme vous êtes, vous éclatez là-dedans. Je vous propose soit de partir à la neige, soit de me rendre ce voyage et de prendre la proposition que je vous fais, qui est de prendre le garage. C'est à prendre ou à laisser, hein, comme dirait... Ça fait des années que j'ai pas vu la neige, la montagne, donc je garde le voyage. Je pars à Tignes et... Pas de garage. Pas de garage et pas de détente avec nos amis les bronzés. Les bronzés font du ski, 15 euros, bien joué. Donnez-moi la sucette, Benoît vous attend là-bas avec un paiement. Merci d'avoir été avec nous, à tout à l'heure pour le deal final. Le premier on l'a fait, le deuxième aussi. Oui. C'était le troisième deal ça, hein? Oui, attends. On remet ça. Allez, quatrième profil, quatrième deal, hein? Patate de Dieu. Présenter des gens qui sont beaux comme Alejandra et Tony, 21 ans et 22 ans, derrière le buisson, voilà, ils viennent de là, et alors, c'est un couple hyper super actif. Alejandra. Bon affaire. Ça va bien ? Ça va et vous ? J'oublie, Joaquin. Denis. Tony. Ma, ok, c'est Tony. Ah. Ok, Tony Montana, ok. C'est Tony. Tony, alors. Alejandra, vous êtes espagnole ? Colombienne. Colombienne ? Mon Dieu, mais vous êtes née en France ou non, en Colombie ? Non, en Colombie. Il y a combien de temps que vous êtes en France ? Ça doit faire 10-11 ans. 10-11 ans ? Vous parliez le français en arrivant ? Non, non, pas du tout. Non, vos non. Parents sont ici ? Ma mère. Votre maman. Très bien. Et vous faites quoi maintenant ici ? Je suis étudiante en commerce international. Vous retournez parfois en Colombie ? Tous les ans. Vous êtes d'où en Colombie ? Bogota. Vous l'avez connu en Colombie ? Non, je l'ai connu ici. Et vous avez été en Colombie ? Non, pas encore. Vous l'avez pas emmené en Colombie ? Non, pas encore. Faut l'emmener. Qu'il soit sage. Ah. Ouh, hein, oh là là. Le vélo. Vilain garçon, hein. Vous faites du vélo ? Non, je suis plutôt foot, moi. Vous êtes plutôt foot. Faites du vélo ? Non, je suis plutôt danse. Danse, ouais, tant pis. Saute mouton ? Non plus, d'accord. Vous allez faire votre initiation en vélo. Mm-hmm. Le vélo entraîne par un système de chaîne Rouleaux. Les rouleaux. Merci. Les nanas. Cherchez pas, hein, quand il n'est pas au bureau, il est au casino, lui. Hein. Alors, il y a des rouleaux et chaque fois que vous aurez deux figurines, on offrira du pognon. Combien, Bill ? Eh bien, attention, nous allons offrir pour deux figurines 150 euros, mon ami. 150 euros si vous avez deux figurines identiques, de 7 ou de Bill. Si vous en avez trois, Alors là, c'est 650 euros, 650 euros. Mais, petite nouveauté pour l'année 2004, qui
quel que soit l'endroit, la place et le temps, quand un 500 tombera sur la flèche rouge, qu'il y ait une ligne ou pas, vous gagnerez 500 euros. Il y a 3 500, un par rouleau. Si vous avez les 3, c'est 1 500 euros. Okidoki. On va jouer combien de fois, Bill ? Eh bien, nous jouerons 6 fois ! Donc, dans l'absolu, vous pouvez gagner 6 fois 1500 euros. N'y rêvez pas trop non plus, quand même. Alors, montez sur le vélo, vous. Eh, c'est pas son truc, le vélo. Hein. Ah non. Ça serait son truc, il serait barré avec, là. Tony, commencez à pédaler, mon ami. Allez, allez, stop, c'est parti. Oui, et d'un. Et de deux. Et de trois. On bouge plus. Ah, me voilà. 500. C'est le jeu le plus facile du Big Deal. Vous avez déjà gagné 500 euros. Deuxième lancée de rouleau. Et finalement, j'ai pas besoin de vous aider, hein. Vous faites tout seul très bien. Stop! Allez! Yo, oui! Allez! Tous les nœuds! Yo, oui! Bien! Allez! Yo, oui! Ça part très fort. Il y a encore 4 lancers. Allez, troisième lancer de rouleau. Tony, vas-y, mon ami. Tony, bella, vas-y, vas-y. Via, 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 via. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, dommage. On a quand même 2 sets. On a 2 sets. Et on était presque à 3 prunes, hein. Allez, attention. Nous sommes à 1300 euros, vous l'avez vu. Quatrième lancé. Allez. Allez. Et stop, c'est parti. Yeah. Et deux. Et les fleurs. Et trois. Toutes les veilles. 500. 1000. Non. Alors, et. Il y a 500 plus 500, 1000 plus la ligne 150. Correct, hein? Quand même, hein? Ça fait du pognon, mon amour. Ah non, non, je suis pas sûr qu'on ait bien fait de changer la règle du jeu, nous, hein? On en est à combien, là? Plus j'ai pas 1150? J'ai pas le moral, j'ai pas le moral, j'ai pas le moral, je me sens pas bien, Tu as entendu parler de la Lapurna où on peut prendre une retraite zen? 2450 euros, ça motive pas. 2450 euros, il reste deux lancers à faire. Oui, oui. On les fait ou on s'arrête là? Je sais pas. Ça correspond à 16 000 francs. Ça fait beaucoup d'argent, mon amour. Ça fait 16 000 francs. 2000. Mon amour. Plus de 2000 euros. 16 000 francs. 2450 euros. Une voiture? Deux? Chacun? Trois, bah chacun? Oui. Trois voitures. Trois voitures. Je sais pas. Lui, il continue. Ah, le gong a retenti. Il faut me donner une réponse. On continue ou on s'arrête? Vite. Vas-y, c'est la chose. On s'arrête. On s'arrête, c'est le mot qui est. C'est votre dernier mot. On ne va pas plus loin. 2450 euros. Une fois 1500 euros, hein, vous auriez pu. Hein. Ouais, mais il le sent comme ça. Il le sent comme ça. Il fait confiance. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on sent plus grand-chose, ni l'un ni l'autre. On sent plus du tout. Hein. Là, on s'enterre même. Hein. On continue, on s'arrête, je veux dire, hein, on prend le garage. Vous le sentez bien comme ça, hein? Bien, allez, on va pas aller plus loin. Bon, il est encore temps de changer. La voiture. La voiture, allez, garage. Garage, on le prend. Oui, c'est la voiture. Ils ne partent pas en Colombie, mais ils partent en tandem. 732 euros. Alejandra, elle est pas contente. Tony, dites adieu à la Colombie. La Colombie en tandem, ça doit être bien aussi, hein, remarquez. Accompagnez nos amoureux avec un peu de musique. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Barbeux. Allez, filles, ne prenez pas des risques inutiles, mesdames. Bye.
les amis. Les euros sont fatigués. La régie, on peut envoyer la pub maintenant? Non, non. Encore alors, un coup, la pub, ça m'arrange, la pub. Terrible. Non, parce que j'ai l'habitude, hein, mais vous les femmes, on l'avait mis pour les. Parce que c'était des. Mais là. Donc on est de retour sur le plateau du Big Deal, mesdames et messieurs. Voici les deux concurrents qui vont s'affronter dans un duel à mort. Et en attendant que je me permette la fantaisie de faire un double carpé avec réception à l'envers et avec deux vrilles, une en rentrant et une en sortant, notez, hein, parce que ça va aller très vite. Hein. Juste à la réception, ce sera le profil des deux candidats suivants. J'ai formé. Et quels élèves, mon ami Vincent, puisqu'il s'agit pour un duel de Robin qui a 20 ans. Enfin, attends, c'était le bel âge. Moi, je m'en souviens. Comme si c'était hier. Son métier, c'est sa passion. Il va nous dire, il affronte Luc. Luc, oui, Luc, qui a 18 ans. Oh, un bel âge aussi, jeune millier. Et alors, Luc, qu'est-ce qu'il a? Il est champion de France de rampe. Oh oui. Bien. Messieurs, bonjour. Didier, c'est... Romain et Didier, donc. Luc. Ah oui, il n'y a pas Didier. Romain et Luc. Vous êtes de quel coin, vous, Romain? Paris. Paris, vous faites quoi dans la vie? Roller professionnel. Roller... Ah ouais, c'est... on en fait donc son métier, on est prof. Son métier. Et vous, vous avez un métier ou c'est votre passion qui vous fait vivre? Pareil, c'est ma passion qui me fait vivre. Très bien. Le but du jeu, il est très simple, c'est un saut en hauteur. Hein, vous avez chaque fois deux essais pour franchir. Dès que les deux sont passés, on monte d'un cran. Alors, c'est pas des crans de 10 cm, c'est 40 cm. Hein. Et ensuite, on verra. Déjà, celui qui restera jusqu'au bout remportera quoi, Bill? 1300 euros, Vincent! 1300 euros à ce concours de jump avec des rollers online. Qui veut y aller en premier? Impeccable, un peu facile. Et voici Luc. Ouais, ouais, ouais. Bien. Oh là là. Attention à pas tomber, à pas mettre les mains après le tapis, parce que le caillebotti, bonjour. Hein. Allez. Concentration. Trop facile. Facile, trop facile. Allez. Magnifique. Oh là 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 là. On fait quoi maintenant? Bill, on fait quoi maintenant? Mais si on n'y arrive pas en hauteur, mon ami Vincent, que peut-on faire si c'est peut-être, je ne sais pas, une longueur, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je ne sais pas. Je te propose des idées comme ça, en vrai, qui viennent dans la tête. Il suffit de reculer le tremplin pour que ça soit tout de suite beaucoup plus difficile. Eh oui. D'où l'idée de la longueur. Oh là 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 là, bravo! Vous avez deux essais, on a dit.
deux essais. C'est chaud. Tenez, je vous donne un sujet. Félicitations. C'est battu. L'affaire est bonne, bravo. Quand vous faites des compètes, il y a des compètes de saut en hauteur comme ça? Non, parce qu'en fait, c'est du high jump. Ouais. Et c'est pas assez reconnu pour faire les compétitions. Et alors, là, on a pratiquement 2 mètres. Vous atteignez quelle hauteur? 2,80. Et ça dépend aussi de la rampe. Non, c'est un banks. Soit un banks, soit un planquiné. Avec un banc, c'est une courbe, on peut monter jusqu'à 3,40. Puis après, ça s'appelle du saut à la perche. Félicitations, en attendant, vous avez gagné 1 300 €. Merci de vous être battu, vous filez par le fond du plateau. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez 1 300 €, ça c'est sûr. Je pourrais vous dire, est-ce que vous voulez les rejouer contre le garage, tout machin? Non. Ouvrez le garage. Voilà, ça vaut 9 000 €, mesdames et messieurs. Elle peut être à vous si, avec le même élan, vous arrivez à passer derrière la ligne, sachant que vous allez arriver dans l'eau. D'accord. Il y a un essai. Point barre. Non, je vais tenter. Prenez un peu vos distances sans accéder à la rampe. Un seul essai. 4 mètres à franchir. Et il est parti. Vincent, c'est parti. Allez, Non ! Oh là 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 ! Bougez pas. C'est le drame. Vous l'avez vu ou pas ? Parlez bien dans la suite. Vous avez vu ? Ouais, j'ai vu, ouais. Vous l'avez vu passer devant, derrière vous ? Devant. Malheureusement, vous repartirez sans rien. Vous avez été un très joli combattant, très élégant, très sportif. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-moi la sucette et filez par le rideau dans le garage. Attention, ça glisse terrible. Ah, ça glisse, c'est énorme. Récapitulatif. Chers amis, oui, c'est vrai, Vincent l'a très bien dit. Et maintenant, sous des images absolument audacieuses de réalisation, voici le récapitulatif en première position. Anthony, qui grâce à l'ami Tarzan, a gagné un magnifique pack room cinéma d'une valeur de 2 759 € à l'arraché, dois-je le préciser, mais il y est arrivé. En deuxième position, nous allons retrouver maintenant Dimitri, qui a triomphé de ses concurrents, de ses rivaux, pour arriver en dernière position, seul, fier, au trapèze, et gagner un séjour à la plagne d'une valeur de 2 130 €. En troisième position, alors là, Alejandra et Tony avaient 2 450 €. Ils ont rejoué, mal leur en a pris, car ils ont gagné un magnifique tandem à 732 €. Et comme disait le poète, dans tandem, il y a un je t'aime. Et ensuite, en dernière position, Annie. Et oui, Annie qui a joué à fais gaffe à la gaffe, 173 €. Voilà, avec ces images d'une beauté stupéfiante et d'une sensualité. Ah mon Dieu, je n'oserais qualifier de torride. Ensuite, et bien sûr, quelques mots pour Romain qui a quand même tenté, qui a fait de très jolis sauts en hauteur, dont celui-là, et qui malheureusement a tenté le tout pour le tout pour une voiture à 9 000 €, très joli saut, et qui a perdu. Je rappelle néanmoins, merci cadreur, que les finalistes ont gagné un abonnement de 1 an à notre compagnon, notre ami de longue date, Télé Loisirs, que voilà. Ah, tu vieillis, mon vieux. Si, bah tu es fidèle. Eh oui, oui. Allez, oui, bah il est vexé, il va dans sa chambre. Et en voilà qui est toujours en forme, toujours jeune, toujours beau, de l'acier trempé, Vincent Lagarde. J'aime beaucoup. Hein, ouais, tu aimes. On finit d'installer la voiture. Bah oui, mon gros, mais alors t'es à la bourre là, vas-y, voilà, là c'est bon. Là. Je suis à vous tout de suite, excusez-nous, mais il vient d'avoir son permis, ça lui fait plaisir d'amener les voitures. Ça va, ma pote? Allez, file, bah oui, mais bien sûr. Mais même coiffeur, tous les deux. Ça fait un drôle de but quand ça claque, ça. Ah, c'est les voitures qui parlent. La portière est mal fermée. 10 870 €. Et c'est vrai, parce que quand tu réfléchis, hein, moi j'avais une voiture comme ça, quand je fermais mal la portière, elle me disait la portière est mal fermée. Mais elle me le disait aussi quand je fermais ma voiture et que je partais.
J'ai passé la nuit dans la voiture à dire à personne « La portière est mal fermée ». Et le matin, j'arrivais, ça faisait... Alors, mamie, vous nous avez régalé. Annie, je vous dis mamie, Annie, oui, Annie, vous aussi. Nous avez régalé. Ouais. Non, c'était un plaisir de jouer avec oui, vous. Je me suis fatigué pour vous. Hein. J'ai donné j'ai de ma personne. Remarqué, hein. Ouais, ouais, j'ai surtout remarqué quand j'ai ouvert, là, il y avait le... Hein, ouais. Il y avait quel chiffre, là? Ah oui, 8. Le 8. Puis, du coup, elle l'a associé à la robe espagnole. Voilà, exactement. Je vous montre mon cœur et vous voulez que je fasse le... Voilà, non, alors. J'ai pas eu l'impression. Ça, la colombienne, ça surprend. Hein. Ah oui. Hein, au début, rien, puis après, bam. Oui, si, ça le fait. Hein. Oh là, pensez. Vous, si vous avez la possibilité de rejouer, vous allez rejouer, hein, évidemment, bien sûr. Ouais. C'est pas gagné. Voyage, le voyage, lui, il va y aller. Le ski, ça l'a éclaté, tout ouais. Bien. Tandis que là, vous, vous avez excellé dans le passage d'une liane à l'autre. Voilà. Vous nous avez... Ça va, les mains? Ah oui, un peu quand même. Hein. Prochaine fois, on vous filera des gants. Alors, vous avez gagné à Paco Cinéma, 2700 euros. Oui, là, vous faites le... 18 000 francs. Je sens pas, là. Oh là. J'hésite, là. Je sais pas, là, j'y crois, en plus. Si c'est du cinéma, vous êtes bon comédien, mais vous hésitez. Un truc comme ça, vous hésitez. J'hésite. Il hésite. Vous en avez un? Je crois que je vais... regarder. J'ai marché. J'ai marché. Félicitations. Merci d'avoir été avec nous. Vous, le voyage, c'est bon, on n'en parle plus. Merci d'avoir été avec nous. Okay. Allez, Khara. Vous rejouez. Ouais. Vous avez gagné quoi? Des bicyclettes. Un tandem. Un tandem. On peut avoir pire qu'un tandem. On peut avoir un monocycle. Hein. Vous, Annie, vous auriez rejoué. Hein, mais, je m'en doute un petit peu quand même. Merci. Beaucoup du sourire que vous nous avez offert. On y va? Allez, hop. Faites en sorte qu'elle ne soit jamais à côté de moi. Oui, de moi. Il n'y a pas de problème. Pas que des... Oui, tu as tout de suite compris, avant qu'on lance la chanson, tu t'en vas. Je m'en vais, je ne reviendrai que demain. Eh ben, on a toujours ça gagné. Hein. Alors, vous connaissez le principe? Il est de bon usage d'en éliminer un pour en choisir un. Entre la mère avec l'avion, la sœur avec la tasse, le frère avec le cerf-volant. Je vais poser la question au public. Attention, amis du public, qui prendrait la mère? La sœur? Et le frère? Et qui m'emporterait moi avec le 8 sur le cœur? Surtout les filles, elles le tendu un peu là quand même, ça va. Bien. Vous auriez pris? Le frère. Les deux en bas à droite, là. Non, c'est pas possible. Ah, ça. Non, ça va pas le faire, ça. On en élimine un? Ouais. Je vous écoute. La sœur. La sœur avec la tasse? Avec la tasse. Pour ne pas la boire? Voilà. On élimine la sœur à la tasse. Oh, pourquoi éliminer ma sœur? C'est pas de bol d'éliminer un quad miniature à 19 euros. C'est le petit cadeau. C'est tout bénef. C'est tout bénef, vous pouvez respirer. Qui prendra le frère? La mère? Toujours le frère? Le frère. Non, vous, non, rien. Vous ne prendriez pas les quatre, là, plutôt, d'un coup, là? Si. Il s'est réveillé d'un coup, là. Ça, tu l'as énervé, les deux, là. Vous allez vous faire du mal. Ça énerve, hein? Oh là là. Allez, on en choisit un. Le frère, Le frère. Vous ne dites plus rien, elle a dit le frère. Le frère. Qui s'en est pris, Brune? Le frère. Et le frère. Bill, le frère. Allez, Rondra, choisis le frère. Donc, ça veut dire Tony, à l'avenir, il faudra toujours, mais toujours écouter les Rondra. La voiture est gagnée à 10 870 euros. Cette voiture est désormais la vôtre. Venez récupérer votre bien. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On salue à tous. Ciao, bye bye. Bravo. Pour les femmes.
charme. Pardonne vos sourires, nos entames. Pauvre diable, tous les anges. Et nous sommes, tous les hommes, pauvres diables. Avec